Bonjour Vidéo Grande Conso, aujourd'hui à Sestas, au sud de Bordeaux et surtout au cœur de l'entrepôt Cdiscount. L'occasion de vous présenter de nouvelles technologies co-développées et adoptées récemment par Cdiscount. Regardez. Quelques semaines du pic de Noël, alors que l'activité des entrepôts sera multipliée par 3, Cdiscount affûte ses armes. Comme tous les e-commerçants, la filiale de Casino est focalisée sur la productivité et y consacre une part importante de sa R&D, souvent d'ailleurs en co-développement avec des startups. Parmi les 3 innovations de l'année, cette solution de préparation de commandes semi-automatisée imaginée par Exotech. Ces robots Skypod, qui évoluent dans les 3 dimensions, grimpent dans la zone de stockage pour récupérer les bacs contenant les produits commandés. Il porte ensuite les bacs vers la zone de picking où le préparateur retire les produits nécessaires. Avantage, ce ne sont plus les préparateurs qui vont au produit, mais bien l'inverse. Sans compter le gain de volume, puisque le picking s'effectue jusqu'à 10 mètres de hauteur, contre seulement 2 mètres dans la partie où la ramasse est manuelle. Deuxième innovation, ce bras robotisé pour le conditionnement des petits produits. Le robot saisit d'abord les articles un à un grâce à une ventouse. Les produits sont identifiés par la lecture du code barre article, ce qui permet d'appairer un produit et un carton d'emballage. Le tout à une cadence de 250 articles à l'heure, peu supérieure à celle d'un employé, mais sans les troubles musculaires qui vont avec. Troisième innovation, l'emballage des produits volumineux. Un emballage pour lequel Cdiscount cherche à limiter autant que possible le vide autour des produits. Tant pour des raisons économiques qu'écologiques. Cette nouvelle machine, la CVP Everest, permet d'ajuster le carton à 5 mm près et donc d'améliorer le taux de remplissage réel des flux de camions. Avantage supplémentaire de cette machine, encore en cours de rodage avec Neopost, elle peut emballer 1000 colis par heure. Un rythme qu'il faudra tenir au moment de Black Friday ou de Noël, lorsque Cdiscount expédiera de 300 000 à 500 000 colis par jour.